rappelez de l'étrange personnage qui a loué cette maison dernièrement, assez brièvement d'ailleurs? Mais tu penses bien que oui. Oh, c'était ce gentleman si policier, élégant, si raffiné pendant la journée, un savant qui travaillait dur dans son laboratoire avec ses petites éprouvettes et qui la nuit se transformait en un vilain monstre sanguinaire, tout plein de poils. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll, docteur Jekyll, chercheur en biologie. Ouais, un type bizarre pour pas dire carrément travailler du chapeau. Là n'est pas la question. J'ai fait quelques tests sur un produit qu'il a laissé en partant. On dirait l'un de ces breuvages énergétiques pour sportifs. J'aurais seulement besoin d'un volontaire pour le goûter, histoire de me faire une petite idée du goût que ça a. Te gêne pas. Oh, je le goûterai avec plaisir, mais j'ai attrapé froid, je suis pris du nez. Je ne sens hélas plus du tout le goût des choses. Moi, j'ai pas soif. Gnagnagnagnagna sur moi, le docteur a sûrement bavé dedans en buvant. J'ai compris, je vais le goûter ton cocktail. Et rien qu'une gorgée. Ça dit quoi? Pas trop le goût de bave du docteur. Mais non, je blaguais. Ça a un goût assez prononcé d'artichaut. Avouez que je vous ai bien eu. Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes. En plus, elles étaient même pas lavées, les peaux. Oh, si j'attrape un mec tout mis en dessus dessous. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons été cambriolés cette nuit. J'ai l'impression terrible d'avoir été violée dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. C'est quand même bizarre. Le voleur est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage. Alors, faut faire un piège et puis on l'attrape. Avec ce piège à faux ultra sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes là? Ben c'est pour camouflager. Quand j'avais l'idée comme vous voulez. Il marche plutôt pas mal. Je dirais qu'après une lutte acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des pois? Étonnant, il dégage une odeur d'artichaut. Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât. Oh, j'ai une idée. Et si en guise d'appât, nous choisissions l'un d'entre nous? Grâce à ce miroir sans teint, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repéré. Alors pas un bruit, compris? Hey Bud, t'aurais pas marché dans quelque chose par hasard? Non. Est-ce que t'as pris une douche ces derniers mois? T'as quelque chose à me dire? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi. Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent. Ah ouais? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent beau comme le déodorant du cabinet? Ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look.
C'est vrai, comme ça, il est beaucoup plus mignon. Personne arrivé, on a fini par s'endormir. Eh ben pour moi c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tiens, mange, je t'ai tartiné un toast au beurre de hareng. Vous avez mangé tout le muesli? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de pop-corn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant? Un artichaut, c'est clair. Candy a bu la potion du docteur Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit, on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée. Administre-lui l'antidote vite! Alors, il fait un peu moins le fier, le millefeuille à la chlorophylle. Elle est gentille, Une jolie photo pour mettre dans l'album. Risette! Et maintenant que tu me la rends, ma main! T'as bien joué le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Ici au pied l'artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés la nuit dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. Ok, et c'est quoi le plan génial donc? On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, on Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite? Action! Tenez le B1! Vous pouvez le lâcher, c'est bon! Il y a comme un arrière-goût de fraise. Ouais, ça va, ma formule demande quelques ajustements mineurs. J'y retourne. Hé, on y est presque, hein? Oui, d'accord. Et puis, on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du docteur Jekyll. Oh, vous avez fait tout ça rien que pour moi. Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré. La cervelle de facochère en croûte. Ajoutez quelques gouttes de vanille. Et là...
C'était vraiment succulent. Ouais, et moi j'ai adoré le petit goût d'artichaut. Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années. Oh non, mais c'était très très simple. Je me suis contenté d'assaisonner 2-3 restes. Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle. Gorgeous, est-ce que tu pourrais arrêter de t'empiffrer, ne serait-ce qu'une minute de temps en temps? Oh!